Bonjour à tous, c'est Adewood. Aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer un pain américain en boîte palette. Mais avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2018, plein de copeaux, plein de bricolage et plein de réussite. Comme vous pouvez le constater, la première étape, on va venir ici tracer le contour de notre gabarit. Pour les trous principaux du pont américain, j'ai utilisé une fraise de 20 mm. Et la deuxième étape, c'est de percer nos trous principaux de notre pont américain. Alors j'ai utilisé une perceuse à colonne, ainsi ça va faire un beau petit trou, bien droit. Parce que avec une perceuse à main, on peut peut-être un petit peu dévier ou autre, et la trajectoire n'est pas pareille. Par contre, moi j'ai utilisé une fraise de 20 mm parce que j'ai les petits doigts. Vous faites en fonction de vos doigts, bien sûr. Une fois que nos 4 trous principaux sont faits, on va venir prendre une mèche de 8 mm pour percer 2 petits trous en dessous d'eux. Malheureusement pour moi, le bois était fort cassant. Ça n'a pas donné vraiment ce que je voulais au niveau de la finition. Mais bon, je l'ai quand même terminé. Avec une fraise à arrondir, je suis venu arrondir les trous principaux de mon pain américain pour qu'il soit plus agréable quand on le prendra dans la main. Après ça, on passe au chantournage. Alors c'est très important de d'abord percer les trous et puis chantourner et pas faire l'inverse. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez chantourner votre pièce et puis faire vos trous, ben, le bois est susceptible de craquer. Et maintenant, on va venir poncer l'intérieur des trous. Et après, on va venir passer un petit coup de ponceuse excentrique sur le tout. Thank you.
et un petit coup de vernis pour la fin. Le voilà terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !